Teddy Riner. C'est Teddy qui peut tout jouer sur un coup de dé. Teddy Riner. C'est le Teddy. Pardon. Là, on va aller plus bas. On va voir, vous allez voir plus bas. Là, il y a encore plus de monde. Devant l'hôtel de ville. Incroyable, incroyable. La communion. Allez, Teddy. Teddy Riner. C'est contre, par équipe, par équipe. C'est le judo par équipe entre la France et le Japon. Et là, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Donc là, il y a le grand écran géant. Et là, si jamais il gagne, ça va être... Teddy Riner. Et là, s'il gagne, là, on gagne quelque chose ou pas? On gagne une médaille là, non? Moi, j'y connais rien. Ah, il gagne le match, voilà, c'est ça. Ah oui, oui. Ah, il va y avoir un autocar qui va nous cacher la vue. Oh là là. Oh, c'est les Japonais qui nous cachent la vue. Oh, les sabotages, ils nous ont saboté la vue de Teddy Riner en pleine action contre le Japon, la nation du judo. La nation du judo, une belle Africa Twin, elle est belle. Ça, tu peux faire le Paris Dakar avec ça, mon père. C'est une combien, ça, là? 1200? Non, 1100. 1100. J'ai fait le Paris Dakar trois fois, moi, quand j'étais jeune. 85, 87, 88. Avec une Africa Twin? Non, non, moi, j'étais en 4x4, en 4x4. J'étais jeune. Trotti Taxi, tu me regardes sur YouTube? Trotti Taxi. Trotti comme la trottinette Taxi. Uber m'a tué maintenant, je suis en trottinette. Voilà, mais j'aime bien les BM aussi, j'aime bien. Mais j'avais le permis moto, hein, j'ai le permis moto. Ben, j'étais taxi. J'ai fait le Paris-Dakar en taxi. On a trouvé des sponsors grâce à ça. Plus d'ouvriers. Trois fois, deux fois on a fini. Hein. Tu fais Trotti Taxi Paris-Dakar, tu vas me voir. Trotti Taxi Paris-Dakar, ou tu peux faire aussi le Trotti Taxi Gilet Jaune en 2007. J'étais en gilet jaune 2007. J'ai vu les jeunes en banlieue, ils m'ont tenu dehors. La lutte, elle est longue. On se bat, elle n'est pas finie, non. Tu verras, Trotti Taxi. Voilà. Elle est belle, en tout cas. Courage, hein. Tu connais La Boiserie? La Boiserie. Sur YouTube. La Boiserie, c'est un jeune qui est fou de moto. Il a des... Tu prends La Boiserie, tu vas voir. Mais lui, c'est un gros... Ouais, La Boiserie, c'est un gros truc. Mais lui, il a un magasin Honda. Lui, c'est un fou de Honda, lui, il fait du motocross, il connaît tout, les CR, les machins. Lui, il marche bien hein, sur YouTube. C'est un pro. Moi, je suis un amateur. Puis moi, j'ai 64 ans, place aux jeunes. Voilà. Mais j'ai 8000 abonnés quand même, ça va. Hein, voilà. J'ai vu des jeunes dans les banlieues, j'ai ouvert une galerie d'art. Ça s'appelait Art des Cités. En 2007, ils n'ont aucune idée. Alors que j'avais aucune tête. Là-bas, il y a beaucoup. Ouais. Ben, ils n'aiment pas les graffeurs. On nous dit d'aider les jeunes, j'ai fait comme ils m'ont dit, ils m'ont tout mis dehors. Bizarre. Hein. Voilà, allez. On va gagner la médaille, c'est ça qui compte. Allez, salut. Hein. Bon, alors pour l'instant, là, il y a du monde. J'attends l'ovation, moi. Tous les vélos sont arrêtés, tout le monde est en suspense, tout le monde en communion pour... C'est 3 à 3 pour l'instant, 3 à 3. Allez, allez. Il est coriace le japonais. Allez Teddy. Il se couche le japonais.
voit rien, on voit pas là. On voit pas tout là. Il y a une cabane qui cache le tatami. Le tatami est caché derrière la cabane. Ils n'auraient pas dû mettre une cabane là, ils auraient dû mettre un skate, je sais pas moi. On va attendre là, gentiment. Le suspense est à son comble. Troisième truc jaune, carton jaune, et il a gagné. Le Japonais a déjà deux cartons jaunes. Ah, un carton jaune pour... Teddy a pris un carton jaune aussi. Il a gagné.
la 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 la. Ils pleurent, les Japonais pleurent. Teddy Riner, Teddy Riner. Oh la 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 la, la magie à faire. La 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 la. Voilà, c'est la communion les amis, c'est la communion pour le sport. Maintenant on attend les résultats avec l'arbitrage pour être sûr, ferme et définitif. Enfin le japonais tire la tronche. Oui, c'est la capitale mondiale du Japon, hein, le judo. Attention, passe pas le feu rouge. Ah oui, c'est la meilleure. Ah, le policier là. Regarde, le policier, je veux pas que tu casses le feu rouge. Décale, décale le feu rouge. Tu étais derrière le feu rouge, c'est pour ça. C'est le président. Encore une médaille d'or. Et le président, là, pourquoi il est content? Parce que comme ça, le peuple, il a du pain et des jeux. Mais non, M. Macron est content parce qu'on a réussi les Jeux Olympiques et la France est bonne. Ah, c'est ça, on est bon. On est bon, attendez. Donc il va pour... On a un bon président, on a des bons sportifs. Allez. C'est ça. Qu'est-ce qu'on ferait de... Peut-être, espérons qu'il y aura un troisième mandat. Après, peut-être, il veut faire un troisième mandat. Ah, j'aimerais bien. Vous aimeriez bien, voilà. Ah, moi, j'aimerais bien. Comme ça, un troisième mandat, ça fait 15 ans. Mais les Français, ça peut l'apprécier, c'est dommage. C'est ça, c'est ça. On a un super président. Alors quand on voit ce qui se passe ailleurs, c'est vrai qu'on est heureux quand même ici. Il n'y a pas apprécié tout le travail que fait M. Macron. C'est ça, c'est terrible. Il a redressé l'économie, on a moins de chômage, on a des investisseurs. Il a fait baisser l'essence. Le carburant, il a baissé un peu. Il donne confiance aux investisseurs et les gens l'apprécient, ça peut l'apprécier. C'est ça, ils se plaignent tout le temps, on est les Français, on est trop... Mais ouais, quand il sera parti, ils vont regretter. Après, ils diront, c'est ah, ça. Finalement, il était bon. Ouais, ils vont nous mettre un président mondial, peut-être. Ça, on aura un président pour toute la planète, comme pas ça. Trump, on a... pas Trump, oh, on n'aura plus à discuter comme ça. Pas on discutera Trump. Plus. Voilà. Eh ben, merci, monsieur, sur ces belles paroles. Courage, je vous aime. Merci, monsieur. Merci, bonne soirée aussi à vous. Voilà. C'est le monsieur avec la casquette. Voilà, qui parlait, je le prends de dos. Voilà. Eh ben, ça y est. Tout est dit. La messe est dite. La messe est dite. Et... Donc, la messe est dite. Et la communion a opéré la médaille d'or pour l'équipe de France. Voilà. Ça y est, les gens s'en vont. Eh ben, bravo à tous. On va faire un truc. À tout bientôt.